Je sais qu'il y a un cheminement précis, vous allez voir, mais c'est une erreur et il faut tout recommencer, quoi. Et on est directement en vol, hein, faut pas se planter. Alors, là il y a les tonneaux de tomates, ou je sais pas quoi, les cibles là. Oh attention, Spiro. Sachant que vous voyez, il n'y a pas... Enfin, il y a un compteur, il y a... Allez. Voilà, on gagne des secondes. Mais il n'y a pas que les tonneaux de tomates, sinon c'est pas drôle. Hein. Il y a les phares, il y a les... Allez. Je l'ai eu? Ouais, cool. Il y a plein de choses. Il y en a... Wow, pop, pop, wow, wow, wow. Rude. Là, vite. Allez, 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 allez. Ok, les tonneaux, c'est fait. Et là, vous voyez, en 10 secondes, je pense pas. Mayday, mayday. Allez, le coffre, le coffre. Non, raté. Voilà, bon. J'ai eu 8 tonneaux sur 8. Et il faut faire 8 avions, 8 coffres, 8 arches. Mais attention. Attention, parce que on se dit, ça va, on peut le faire en plusieurs fois pour avoir, genre, on fait une étape les avions, une étape les tonneaux. Non. Là, j'ai fait, on pourrait dire, j'ai fait 25%. Et non, j'ai fait 20%. Chaque ligne, avion 20%, tonneau 40%, coffre 60%, arche 80%. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire le 100%? Ben, c'est la dernière ligne, c'est le tout en un. C'est-à-dire qu'il faut faire en un seul try toutes ces choses pour avoir le 100% de ce niveau. Ne comptez pas sur moi, c'est... Non, je... Là, on a fait les tonneaux, on va essayer de faire autre chose, mais pour le reste, il y a Mastercard, comme on dit. Visa, c'est pas les autres marques. Voilà. 3. 4. Allez. Allez. Plus qu'un. Ok, les coffres, c'est fait. On s'en va. On s'en va. On peut peut-être faire autre chose. Quoique le timer va vite descendre. Vite, vite. Les navions. Est-ce qu'on peut faire les navions? Allez. On a vu l'arche. Hein. On l'a vu. Tout le monde l'a vu. Allez, plus que 3 avions. Non! Allez, encore un avion. Non, sérieux, je l'ai raté. J'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Oui! L'avion, c'est fait. Bon, ça va. On a fait, du coup... Je pense que j'ai jamais mieux réussi que ça. C'est horrible. Bon, maintenant, les arches. On va faire les arches. Alors les arches, elles sont là. Là, les arches, c'est des checkpoints, en fait. Faut passer. Hop là. Hop, hop, hop. Et sachant que ça va assez vite. Voilà, il y en a une en bas. Ouh là, ouh là, là, là. Ok, ça passe. Plus que 2. Vous la voyez celle-là là? Allez. Non, je l'ai raté. Yes. Bon, on a plouffé. On a plouffé. Mais il y a check, c'est validé. C'est validé. Pour moi, c'est bon. On n'a pas fait le tout en un. Mais on a fait le reste. Je suis content. Et en peu de try, c'est pas mal. Mais alors, pour faire le tout en un, vraiment, waouh, rude, c'est... Si vous voulez voir le tout en un, il me semble, et je crois que c'est vrai en plus, il y a Imra, donc notre camarade, je ne fais pas partie d'Ivasand, mais on aime bien la voir avec nous pour plusieurs streams. Il est super gentil, Imra. Vraiment, allez suivre Imra ou... Il avait déjà fait Spyro en stream et lui il a fait le 100% à vraiment à 100%. Il avait accès à l'ultime niveau
En gros, c'est un coffre hein, avec plein de gemmes. Et ah, t'es trouvé Spyro. Spyro qui est terminé. Et il a fait donc à la limite pour ces niveaux là, je vous invite à aller chez Imra. S'il les a gardés en VOD ou quelque chose comme ça, ça peut être intéressant de comparer les deux aventures. On vérifie le carnet. Voilà, vous voyez, vol de jour 80%. Du coup, est-ce qu'il y a un pourcentage sur le monde des artisans directement? Et non, c'est ça, ouais. Allez, la vallée obscure.